Bonjour, vous êtes bien avec Erwan Garel, photographe aviateur, et aujourd'hui on parle de drone. Vous savez ce truc là. Le drone, il y a pas mal de fantasmes à son sujet qui circulent, pas mal d'incompréhensions au niveau de la législation, et donc j'ai décidé de faire une vidéo à ce sujet là. En plus d'être photographe, je suis télépilote drone, je suis aussi instructeur ULM et du coup je suis devenu aussi formateur au niveau du drone. Donc je m'occupe entre autres de la théorie, puisqu'actuellement c'est la théorie ULM qui sert de théorique pour le drone, ça va changer, d'où l'objet un petit peu de cette vidéo. Et je m'occupe aussi de pilotage et de formation pour la prise de vue. Donc à tous ces sujets-là, si vous voulez des petits renseignements supplémentaires, n'hésitez pas à me contacter, j'y répondrai avec plaisir en passant par mon site internet. Je vous laisse le lien en dessous la vidéo avec d'autres liens qui seront utiles. Si vous voyez passer une queue, c'est le chat qui est en train de passer juste sous la caméra. T'es une chieuse. Donc la vidéo va se diviser en deux parties. La première, on va parler de la législation du drone de loisir, c'est-à-dire les petits drones. Jusqu'à 2 kg environ, qui vont être les jouets, ce qu'on appelait les jouets, vraiment les drones pour s'amuser, les drones un petit peu plus sérieux, alors je vais citer 2-3 modèles, entre autres les Mavic, Mavic Air, Mavic Pro, et des modèles un petit peu plus gros comme le Phantom. Pourquoi je prends ces modèles là? Parce que justement pour la législation, entre les deux, il va y avoir une différence pour le loisir. Et ensuite, on va parler de la législation pour le drone professionnel, pour ceux qui seraient tentés d'en faire une activité professionnelle. Je vais vous expliquer également les différences. Donc, pour le drone de loisir, actuellement, il y a une législation qui est très simple. Vous allez voir que c'est pas si simple que ça, mais qui est quand même pas très compliqué. Et ne vous inquiétez pas, pour le loisir après juillet 2018, puisque c'est la date qui a été choisie pour la nouvelle réglementation, ce sera pas beaucoup plus compliqué. La base va rester la même. Donc la base, c'est qu'il y a un document qui a été édité par la DGAC de 10 règles à respecter. Je vais être obligé de mettre mes lunettes pour vous les dire, ou je vais éviter. Non, je vais les mettre. Alors, les lunettes, ça aide. Alors, la première des règles pour le drone de loisir, c'est qu'on ne survole pas les personnes, on ne survole pas les gens. Et en cas de perte de contrôle du drone, s'il y a un problème, ça leur tombe dessus. Donc ça, c'est la première des règles. La deuxième des règles, on respecte les hauteurs de survol. Les hauteurs de vol, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de voler à plus d'une hauteur de 150 mètres. Au-dessus, c'est les avions. Et selon les endroits, on a des règles qui disent qu'on doit voler plus bas. Ça peut être 100 mètres, 50 mètres, 30 mètres. Et éventuellement, on n'a pas le droit de voler. Ça, on va y revenir. Un petit aparté au niveau de la hauteur de survol. Donc la hauteur de vol, 250 mètres. La théorie veut que au-dessus de 150 mètres, c'est les avions, les autres aéronefs, et qu'en dessous de 150 mètres, c'est les drones, et que normalement, les avions n'ont pas à voler en dessous. Il y a quand même des cas où, si, ils peuvent voler en dessous. Et je peux vous le dire, je suis instructeur, et quand je suis en exercice de pas de moteur avec mes élèves, on a le droit de descendre jusqu'à 50 mètres. Donc attention, et l'aéronef qui a le moins priorité de tous, c'est le drone. Donc vous devez vous tirer. D'abord, vous allez perdre votre drone, vous risquez de déclencher un accident. Et bon, j'aime autant vous dire que les pilotes qui sont en train de faire un exercice de panne n'ont absolument pas envie de rencontrer un drone non plus. Le but, c'est quand même pas de s'amuser à avoir un impact en vol, ça pourrait être très dangereux pour tout le monde. Il y a également les avions, les hélicoptères militaires qui peuvent voler plus bas. Donc méfiance quand même, c'est pas parce que vous volez en dessous de 150 mètres qu'il n'y a aucun risque de rencontrer un autre aéronef. Troisième des choses,
on doit voler à vue, c'est-à-dire qu'on doit toujours voir son drone. Et on n'a pas le droit de voler de nuit avec un drone de loisir. Dans certains cas, les professionnels ont le droit, mais pas les drones de loisir. Donc, c'est dit. On n'utilise pas le drone au-dessus de l'espace public en agglomération. C'est-à-dire que quelle que soit la ville, vous pouvez éventuellement voler au-dessus de votre jardin, mais ça s'arrête là. Interdiction sur la voie publique ou au-dessus de chez vos voisins, bien sûr. Et on n'utilise pas non plus le drone à proximité des aérodromes ou des aéroports. Vous comprenez bien pourquoi, hein. La question ne se pose même pas. On ne survole pas non plus les sites sensibles et protégés. Et c'est là que on a la télé qui se pointe à nous raconter tout et n'importe quoi sur le drone. Et qui fait que maintenant, que dès qu'on vole avec un drone, tout le monde nous regarde avec des gros yeux. Ou vient nous dire « Mais vous n'avez pas le droit de voler là !» Alors que c'est pas forcément le cas. Ça vient de ça. Donc les sites sensibles ou protégés, bah, ça va être tout ce qui est militaire. Ça va être aussi tout ce qui est centrale nucléaire, bien sûr. Donc ça veut dire, pas le droit de les survoler, mais pas le droit de voler à proximité non plus. Donc après, vous allez voir qu'on a une carte spéciale pour savoir, je vais vous en parler après. Et je la mettrai aussi, si j'oublie de le dire après, sous la vidéo dans le descriptif. Je vous mettrai le lien. On doit également respecter la vie privée des autres. Eh ben oui. Si vous photographiez des gens ou si vous prenez des vidéos des gens, vous n'avez pas le droit de les publier pour, enfin, sans leur accord. J'aurais tendance à rajouter aussi que filmer sa voisine en train de se faire bronzer à poil dans son jardin, dans tous les cas, c'est interdit. Et là, c'est plus un problème de drone, c'est un problème que vous allez vous retrouver avec un procès. Et là, c'est même plus du droit à l'image, c'est du pénal. Attention, c'est normal, hein. On ne diffuse pas non plus les prises de... Oui, on respecte, c'est dans la même chose, hein, donc je respecte la vie privée des autres et je ne diffuse pas les prises de vue sans leur accord, mais je n'ai pas le droit non plus de commercialiser mes prises de vue, pas en vol de loisirs. On va revenir après sur dans la partie professionnelle. Je ferai peut-être un aparté peut-être entre les deux, d'ailleurs, sur les prises de vue, si on veut les vendre, comment on peut faire. On vérifie également qu'on est assuré pour faire du vol en drone, même en drone de loisir. Vous êtes assuré normalement par votre responsabilité civile, donc en gros, en règle générale, l'assurance de votre habitation. Vérifiez que, auprès de l'assureur quand même, que c'est bien le cas. Parce que blesser quelqu'un, un drone, ça peut faire mal, hein, les hélices tournent très vite. Donc vérifiez quand même que vous êtes assuré et vous pouvez aussi casser quelque chose, bien sûr. Et dernière des règles, en cas de doute, je me renseigne. Bon, celle-là, bah, le mieux, c'est d'apprendre. Je vous rappelle aussi une chose, c'est que la petite vidéo que je suis en train de faire là, c'est juste pour dégrossir les connaissances. Si vous venez pas vous en prendre à moi si jamais vous n'avez pas bien compris ou si j'ai fait une petite erreur. Ça ne remplace pas les textes de loi. Hein, même les textes de la DGAC, là je vais vous mettre le descriptif donc des 10 règles, ça reste un descriptif. La réglementation aéronautique, pour le drone comme pour le reste, c'est un truc à s'arracher les cheveux. Vous avez vu ce que ça m'a fait? C'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'on passe notre temps en tant que pilote à relire les réglementations qui en plus changent. Donc c'est quand même très compliqué. Et même des choses qu'on sait, on est obligé de les revoir régulièrement pour bien les intégrer. Donc là, j'ai le chat qui repasse. Voilà, merci. Pour savoir à quel endroit vous avez le droit de voler, vous avez la carte Géoportail. Donc je vous mets le lien. Je vais vous la faire apparaître à l'écran peut-être aussi pour vous montrer. Et actuellement, c'est à peu près tout. Pour la nouvelle réglementation, pour les donc pour le vol de loisirs toujours. Les règles qu'on vient de dire, ça reste exactement les mêmes, ça ne change pas. Qu'est-ce qui va changer? On va avoir maintenant deux catégories de drones, plus ou moins de 800 grammes.
C'est pour ça que ma vie qui est pas débile et sort des drones de moins de 800 grammes avec les Mavic, c'est pas pour rien. En plus d'être pratique de pouvoir les mettre dans son sac et de pouvoir partir avec, voire dans la poche, pour tous ceux qui feront moins de 800 grammes, il n'y a rien à faire, la réglementation ne change pas. Coup de bol. Pour ceux qui ont acheté des fantômes, par exemple, ou du moins des drones qui font plus de 800 grammes, là, les choses se compliquent un petit peu, mais alors pas de panique, un petit peu. Il y a 2-3 démarches à faire. La première, ça va être qu'il va falloir déclarer son drone. Où est-ce qu'on va déclarer son drone? Et bien, tout va se passer sur Internet. Tout ce qu'on va parler là, ça se passe sur Internet. Donc, pas de panique, vous vous mettez sur votre ordinateur à la maison et on va voir parce que les choses sont pas encore en place. Hein. Mais grosso modo, entre une demi-heure et une heure, vous avez tout fait. La première, donc, on déclare le drone. Donc ça va se passer sur mon espace drone, hein, sur Internet. Donc vous allez déclarer votre drone et vous allez devoir suivre une formation. Ah ah ! Mais non, c'est une petite formation en ligne qui, grosso modo, va certainement reprendre. Alors, je dis certainement parce que c'est pareil, même en tant que professionnel, on n'a pas encore toutes les règles sous la main. Ça va être grosso modo les 10 règles que vous allez devoir regarder un petit film, une petite animation qui va vous apprendre, avec ensuite un petit questionnaire, donc toujours en ligne, qu'il va falloir répondre, et vous aurez ensuite droit à une petite attestation. Cette petite attestation, vous l'imprimerez, vous la garderez avec vous, ou du moins dans la boîte du drone, comme ça quand vous allez voler, vous l'aurez avec vous, parce qu'il faudra pouvoir la présenter aux autorités si jamais vous avez la gendarmerie qui passe au moment où vous faites voler votre drone de plus de 800 grammes. Et pour le vol de loisirs, c'est tout. Donc, vous partez pas tout de suite. On va parler des prises de vue. Alors, prises de vue, que ce soit pour les professionnels ou pour les particuliers photographes ou vidéastes qui voudraient pouvoir commercialiser leur drone ou du moins faire du vol régulier pour faire des images. Il y a une déclaration à faire, donc je vais mettre aussi le lien en dessous. Une déclaration, c'est un CERFA à remplir au moins 15 jours avant la prise de vue. C'est le seul moyen qu'il y a pour être légal au niveau de la prise de vue. C'est obligatoire, c'est de la prise de vue aérienne. Ça ne se fait pas comme ça. C'est la réglementation aérienne. Voilà, je vous ai dit que c'était compliqué la réglementation aérienne. Eh ben, on est en plein dedans. Petit aparté, si vous faites du vol de loisirs, ça c'est obligatoire, donc la déclaration, hein, c'est pas une autorisation, c'est une déclaration comme quoi vous allez faire des images. Attention, ça ne vous autorise pas à voler dans des conditions qui ne sont pas celles de la réglementation. Ça ne vous permet pas de voler en ville, ça ne vous permet pas de voler à des endroits qui sont interdits. Ça vous permet juste de faire des images, ça prévient juste à DGAC que vous allez faire des images. C'est pas du tout la même chose, hein, attention. Si vous faites du vol de loisirs, que vous faites quelques images et que vous les utilisez de façon épisodique, là vous avez le droit, par contre vous n'aurez pas le droit de les vendre. Dans tous les cas, donc si vous êtes artiste, que vous faites des images avec votre drone, vous allez reprendre à peu près la même législation, je vous engage à faire une déclaration tout de même. Et c'est tout pour le vol de loisirs. Alors ceux qui auraient des questions, donc je vous dis, vous passez par mon site dont le lien est sous la vidéo. Vous m'envoyez un petit message et je vous répondrai si vous avez des questions. Également, je fais aussi de la formation. Donc si vous avez des besoins en formation, n'hésitez pas à me contacter. Ce sera avec plaisir. Entre autres pour prendre en main votre drone par exemple. Si vous n'êtes pas intéressé par la partie professionnelle, vous pouvez arrêter là la vidéo. Et sinon, vous pouvez continuer. On parle maintenant des pros. Les professionnels du drone. Alors pour l'instant, pour être professionnel, on va parler pour l'instant d'être télépilote. Pour être télépilote, il fallait jusque-là avoir un brevet aéronautique, quel qu'il soit, brevet théorique.
Donc ça pouvait être avion, hélicoptère, planeur ou ULM. L'ULM étant le plus simple, c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, on fait passer le brevet ULM, le brevet théorique ULM, plutôt qu'un autre. Mais un pilote avion, un pilote d'hélicoptère ou quoi, n'a pas besoin de repasser ce brevet, puisqu'en réalité, il connaît la réglementation aéronautique. Et c'était à peu près tout. Et ensuite, il fallait que l'exploitant, pardon, du drone vous inscrive sur son map et vous délivre une DNC, une déclaration de niveau de compétence. Après avoir vérifié que vous saviez voler avec un drone, bien sûr. Vous pouvez aussi, en tant que professionnel, être votre propre exploitant. Et jusqu'à présent, c'est là que ça pêchait un peu, c'est que vous pouviez vous auto-donner la DNC. C'est-à-dire que vous créez votre map, votre manuel d'activité particulière, qui est obligatoire pour utiliser un drone à votre nom ou pour faire utiliser un drone par des tiers, hein, puisque le map, c'est pour l'exploitant. C'est la personne qui va gérer le vol du drone, qui est propriétaire, hein, c'est entre guillemets la société, hein, ça peut être en nom propre aussi, hein, il n'y a pas besoin d'être en société, on pourrait avoir un map. Et donc jusqu'à présent, vous pouviez vous auto-déclarer. Avec la nouvelle réglementation, ce n'est plus possible. Donc qu'est-ce qui change? La première, c'est qu'on va avoir un brevet théorique drone spécifique. C'est quand même une bonne chose, puisque la réglementation jusqu'à présent nous faisait apprendre des choses qui ne servaient absolument pas en drone, qui étaient vraiment spécifiques au vol ULM, avion, tout ce que vous voulez, mais qui n'avaient aucun intérêt en drone et faisaient l'impasse du coup sur certaines choses qui sont spécifiques au drone. Je vais prendre par exemple les distances réglementaires par rapport à un aérodrome. C'est des choses, des scénarios. C'est qu'en drone, ouais, les scénarios S1, S2, S3, S4. S1, c'est ce qui permet de voler en race campagne, en vol à vue, avec jusqu'à 200 mètres de rayon. C'est-à-dire que le drone peut être à 200 mètres de vous et jusqu'à une hauteur de 150 mètres. Le S3, c'est la même chose, mais en agglomération. Ce qu'on appelle en zone peuplée, donc là c'est 100 mètres uniquement, et ensuite on avait le S2 qui permettait de voler qu'à une altitude de 50 mètres maximum, mais par contre on pouvait voler jusqu'à 1 km et on pouvait avoir éventuellement du S2+ qui nous permettait de monter à 150 mètres et du S4 qui permettait de voler dans des conditions complètement différentes. Dans tous les cas, on ne survole pas les personnes qui ne font pas partie de la mission. C'est-à-dire que si vous faites une photo par exemple d'un groupe, vous avez le droit d'être au-dessus du groupe, il fait partie de la mission. Par contre, vous n'avez pas le droit de survoler une foule ou de survoler des passants. À savoir que pour le scénario S4, en plus d'être télépilote officiel, il faut en plus être pilote avion. Hélicoptère ou planeur, ULM ça compte pas. Donc c'est le S4, c'est très compliqué. Donc jusqu'à présent c'était comme ça. Donc là, nouvelle réglementation, un théorique spécial drone. Donc toujours les scénarios, ça ne changera pas. Ce qui change, c'est qu'on va être en plus du théorique, donc on va avoir une formation obligatoire de télépilote qui, de mémoire, devrait être d'une dizaine d'heures. Et vous, la DNC, ce sera votre organisme de formation qui vous le donnera. Ce qui n'empêchera pas d'avoir certainement une DNC quand même de l'exploitant. Qui doit vérifier quand même que ces pilotes savent voler, mais en tout cas il y aura un passage par un organisme de formation obligatoire. Quelques informations pour les gens qui voudraient passer pro. En tant que pro, on n'utilise plus la carte géoportail qui est pour le vol de loisirs. Ça peut quand même aider
pour dégrossir un vol, hein. Mais on va se servir des cartes aéronautiques, des cartes OACI, pour savoir entre autres si l'endroit où on veut voler est déclaré zone peuplée ou pas. Un village n'est pas forcément une zone peuplée, ça dépend de la taille. En principe, ce sont les petites villes de plus d'un kilomètre 200 de diamètre qui sont considérées comme des zones peuplées. En dessous, ce n'est pas considéré comme. Alors attention, c'est pas parce que vous avez le droit de voler éventuellement dans le virage, dans le village, sans demander d'autorisation, que vous allez avoir le droit de survoler les personnes. Attention. Au niveau des obligations, donc les cartes OACI, donc la DGAC a également, je vais vous mettre le lien, émis un guide des activités particulières qui reprend en gros la réglementation spécifique aux drones. Donc je pense qu'il va être modifié peut-être avec la nouvelle réglementation, mais enfin les règles de base vont pas changer, hein, c'est de toute façon, donc je vais vous le mettre en lien, il est quand même très bien fait. Les assurances, attention avec les assurances, assurance spéciale drone en tant que professionnel, donc une responsabilité civile drone. Moi je sais que j'ai une responsabilité civile photographe qui est étendue au drone, c'est-à-dire que j'ai les deux. Faites le tour des assurances pour savoir quelle est la plus intéressante pour vous. Pour les télépilotes, tiens, qui sont actuellement télépilotes drone et qui se disent oups, comment ça se passe avec la nouvelle réglementation, pas de panique, il va y avoir une équivalence. À partir du moment où vous avez votre DNC, où vous êtes déclaré, vous aurez, je crois, un an pour demander l'équivalence à la DGAC. Alors ne vous précipitez pas, la date théorique c'est 1er juillet 2018. Pour l'instant, il n'y a rien qui est en place, hein, donc attendez. Et je vous dis, même nous, on n'a pas encore toutes les infos. Donc quand il y aura toutes les infos, je referai peut-être une petite vidéo pour vous dire c'est bon, vous pouvez y aller. Petit aparté donc encore pour le vol, les autorisations qu'on pourrait avoir besoin de demander en tant que pilote professionnel, de télépilote professionnel. Si vous devez voler en agglomération pour une mission photo ou vidéo, vous devez déposer une. Alors si c'est de la photo ou de la vidéo, attention, si c'est de ce qu'on appelle de la prise de vue dans le spectre invisible, c'est-à-dire de la thermographie par exemple, c'est autre chose, là il faut demander une autorisation. Pour la photo ou la vidéo, donc le spectre visible, c'est-à-dire les images, on fait juste une déclaration. Donc celle-ci, je vais bien reprendre pour que ce soit très clair. Ce qu'on parlait tout à l'heure pour le vol de loisirs et donc qui est valable pour le vol professionnel, quand on doit faire des images au niveau de la DGAC, pour dire qu'on fait des images, il y a une déclaration de prise de vue aérienne qui doit être déposée 15 jours au moins avant la prise de vue. Ça, vous pouvez l'étendre un peu. Par contre, si vous devez voler en ville, il y a une déclaration également de prise de vue, mais qui, elle, se fait à la préfecture, c'est pour dire « attention, je vais voler en ville ». Donc c'est deux choses complètement différentes. D'un côté, on signale à la DGAC, donc à l'aérien, qu'on va avoir un engin régulièrement en l'air qui va faire des images. Et là, on prévient la préfecture que dans tel endroit peuplé, on va faire des images. C'est pas la même chose. Ça, c'est les règles importantes. Et dernière chose, les aérodromes. Un gros aéroport, enfin ce qui est considéré comme aéroport ou des aérodromes avec des pistes longues ou des approches aux instruments, vous avez une zone d'interdiction de vol qui s'étend à 10 km de part et d'autre dans l'axe de la piste et à 5 km en largeur. C'est énorme. J'ai fait une mission dans la zone d'interdiction de l'aérodrome de Melun. Il y a une dizaine de jours, la zone d'interdiction de l'aérodrome de Melun, vu que les pistes sont croisées, c'est un
c'est pas un cercle, mais quasiment, de 20 km de diamètre. C'est une paille, quoi. Donc, en tant que professionnel, on a le droit d'y voler, à condition d'avoir un protocole d'accord avec la tour de contrôle, ce qui ne remplace pas s'il y a lieu de faire de toute façon la déclaration à la DGAC pour les prises de vue aériennes et une déclaration en préfecture, éventuellement si on est en zone peuplée. Attention, c'est encore une autre chose. Mais par contre, on est dans la zone qui concerne l'aérodrome. Donc là, il faut être en relation avec soit le contrôle aérien quand l'aérodrome est contrôlé, donc il a une tour de contrôle, soit un protocole d'accord avec le gestionnaire de l'aérodrome, hein, si l'aérodrome n'est pas contrôlé. Donc là, il n'y a pas de règle, il faut se mettre en relation avec, suffisamment en avance, pour qu'ils vous disent quels sont les documents dont ils ont besoin et ils vont vous demander, en plus évidemment des documents relatifs à votre mission, à votre matériel, à vos autorisations, ils vont vous demander tout un tas de documents. Alors c'est pas forcément très compliqué, ça peut l'être pour les très gros, hein, évidemment si vous devez voler près de Roissy, je vous souhaite bien du courage, mais ils vont vous demander un certain nombre de documents, donc il faut le temps de les réunir, de les envoyer, et qu'ils puissent vous faire le protocole d'accord. Voilà. Bon, je pense que j'en ai dit pas mal, j'espère que j'ai fait avancer un petit peu, que j'ai rien oublié déjà. Et que ça vous aura un peu éclairci. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, n'hésitez pas à m'envoyer un message, alors je vous dis plutôt en passant par mon site internet, ce sera plus simple. Et je vous mets tout un tas de liens en dessous pour les documents intéressants. Voilà, et je vous dis à bientôt. See you!